Yop tout le monde, c'est Kairos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après à peu près un mois et demi on va dire d'absence. Désolé de ce fait parce que j'étais parti en vacances. Entre temps j'ai trouvé un nouveau travail on va dire. Et j'avais plus forcément le temps. Maintenant là comme je travaille avec les enfants j'ai toutes mes vacances. C'est l'avantage. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve tout de suite pour une vidéo d'opening pack pour l'édition Halloween, c'est ça ouais. Donc c'est parti, premier pack, on perd pas de temps, on a 4600 points. Espérons avoir au moins quelque chose de potable. Oh. Oh. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Yes, Sergio Ramos, premier pack. Premier pack, on tue ça. Je sais pas combien il vaut, mais en tout cas je suis très heureux. Et en plus on en avait parlé hier avec un pote, hein. Il m'avait dit tu vois, c'était un gros joueur, ça met du temps. Donc putain ça fait plaisir. Alors il se vend combien le Sergi? Alors il se vend 150 000 quand même. Yes. Ah putain, alors, ça fait plaisir. Là ça fait plaisir, en tout cas je pense qu'on va le mettre en vente rapide, hein. Vous savez pas. Allez c'est parti, il est listé, Utaka, il joue lui. Ouais ok, ça vaut pas le coup. Puis après on a des contrats, ok. Deuxième pack, excusez-moi c'est parti. Oh, pas de joueur. Dommage. Allez, troisième pack, espérons qu'on aura au moins un joueur hors rare, hein. Ça serait cool. Eh, c'est de la daube, hein, c'est de la daube. On n'a plus rien, on est... Bon, après, on a eu Sergio Ramos, certes, du premier coup. Mais là, oh, c'est Wahbi Khazri. Putain, j'avais complètement oublié ce joueur. Enfin bref, ouais, là, on n'a plus rien, ça fait un peu chier, au moins. Des bons petits joueurs, quoi, des bons petits joueurs. Allez, là, faut qu'on se relance. Allez, un joueur hors rare, s'il vous plaît. Oh, putain. C'est pas vrai. Je fais un snap les amis. Je fais un snap à mes potes. Alors on va faire ce snap ensemble Tony. Alors là c'est obligé. Alors je suis en plein tournage d'une vidéo. J'ouvre un pack et là boum. Et on a déjà eu Sergio Ramos putain. Yes. Bon c'est pas le tout. On va voir combien ils se vendent. Après, je vais envoyer mon snap, il y a le temps. Comparé prix. Ouais, ça se vend quand même, ça se vend. C'est pas dégueulasse. Oh putain, hey, c'est un vrai pack opening. Oh là là. Et là, on baisse tout aujourd'hui. Hein. 4 packs, 2 gros joueurs. Enfin, 2 gros joueurs, je me comprends, mais là. Pff, oh, c'est le feu. Allez, cinquième pack, on continue sur la bonne lancée, je l'espère. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on aura. Je vais voir. Ça met du temps encore. Oh De Bruyne. Yes. Oh putain. Oh, mais... Ce soir je vais au casino, il y a moyen que je gagne un petit million par-ci par-là, ça me choquera plus à la fin de cette journée. Putain. De Bruyne, yes. Mais il se vend combien? Alors, on va le lister. Comparé prix, et je stresse, j'ai peur de faire vente rapide. Oh, 200 000. Tac. Soumettre, on soumet, là. Allez, dégage, tac, dégage. Putain, yes. Alors ça c'est bon. Allez, sixième pack je crois, on va voir ce qu'on a ce coup là. Allez hop, c'est de la merde ça, c'est de la merde, on passe. Allez là faut qu'on se relance, en même temps on s'est habitué à mieux. Ah. Ouais c'est de la dope peut-être, oh j'ai eu peur, mais ça aurait peut-être été Marcelo, ça aurait peut-être mis un peu plus de temps là comme les gros joueurs. En tout cas pour le oh, mais et en vrai c'est pas de la merde non plus Danilo, combien ils se vendent. On va regarder ça ensemble parce que j'ai jamais trop vu ce joueur sur le marché. Ok, 1400 c'est correct, mais il me semblait que je l'avais. Ouais bah non j'ai peut-être pas du coup. Ok bon ça va encore hein.
Allez, c'est parti. Voyons voir. Ah putain, ça, bah, j'aime plus. J'aime bien quand il y a tous les feux d'artifice derrière qui tombent là, ça met du temps. Mais bon, c'est pas dégueulasse, hein, c'est pas dégueulasse. Mais on a déjà eu trois gros joueurs, on va pas. On va prendre. Oh, Bolassi. Ça peut être pas mal. Sauf qu'il doit pas coûter bien cher, enfin bref. On verra bien. Allez, on est à la moitié, il me semble. On va voir ce qu'on a ce coup-là. Oh, fais chier. Tonelli. Ça, il a pas l'air d'être dégueulasse, hein, il a quand même 76 de vitesse, le mec. 82 de défense, 77, là, ça va, il a pas l'air d'être mauvais. Faudrait que j'essaye si je fais une série A. Malo, Kouyaté, ok, bon, des trucs qui vont pas se vendre, on va tout mettre à la casse. Allez, c'est parti, on rouvre encore un pack, voyons voir ce qu'on aura. Ok. Quentrao. J'aurais bien aimé avoir un autre portugais, si vous voyez ce que je veux dire. Ça aurait été pas mal. Mais bon, on peut pas tout avoir. On va dire jamais 203, donc je pense pas qu'on ait la chance d'en avoir un. À moins que, j'espère que le jeu va me contredire. Avec tous les sous que j'ai déjà mis depuis les FIFA 10, FIFA 9. J'en ai mis des sous dans les packs, hein, sérieusement. Ils peuvent au moins me redonner ces trois joueurs, je les mérite amplement. Bon, bah, j'avais pas fait attention, mais on a fini le pack Halloween, donc on va tout finir en pack, en petit pack basique comme ça. Donc là, on a rien, on s'en bat les couilles, on passe. Ouais. Gonalon, ok. J'attendais les feux d'artifice derrière, mais il n'y en a point eu. Donc Gonalon, on va le vendre. Il doit partir quand même celui-là. Hop. Et puis voilà. Hop. Oh, toujours pas de feu d'artifice. Je suis déçu. Allez, c'est pas grave. Magdeli. Putain, avant il avait quand même 90 de vitesse ce mec. Comme quoi il t'en change. Allez. Je vais voir les feux d'artifice derrière. Oh non. Puis c'est quoi cette nationalité là? C'est quoi ça? Quelle nationalité il est le mec? Ah, Paraguay. Ok, j'avais pas fait attention à ce drapeau. Je connaissais pas, pourtant je suis grave chaud en drapeau, mais celui-là, il me disait rien. Bref, bon bah on a encore rien à part des contrats qui nous remplit vite fait les poches, quoi. Allez, s'il vous plaît. Non, un polonais. Ah bah oui, c'est Glick, voilà. Je voulais l'essayer, mais il me paraissait un peu lent. Surtout que je joue en 3 défenseurs, autant le mettre dans une défense à 4, je pense qu'il doit être grave solide. Après, à voir. Ah, on a quand même eu des crédits, 1000 crédits. C'est cool, hein. C'est toujours ça de prix. On dira ça, toujours ça de prix. Bref, et le reste, c'est de la daube. Alors, voyons voir. Ouais, ok, ça on passe. Ciao. Ouais, oh là là, mec du Boca Junior, il peut pas être fort, ça. Ça peut pas être fort. Non, bien sûr qu'ils peuvent être forts, mais bon, c'est pas des joueurs qui vont se vendre comme De Bruyne, la version Halloween, et puis Sergio Ramos, donc c'est sûr que ça me fait un peu chier. Je me voyais déjà à 1 million ce soir. Je me voyais déjà à 1 million dans une heure, là, à la fin des éléments. Mais non, rien n'y fait. On va commencer à arriver dans... à la fin des packs, donc là, ok, encore de la merde, c'est de la grosse daube. Donc, en plus c'est un mec qui joue au Celtic Gamboa, c'est quelle nationalité? Costa Rica, okay. Ouais, bon, on vend tout, ça sera plus simple. C'est tendu là, on n'a plus rien, de toute façon je pense que c'était surtout dans les packs, quoi qu'il en soit, c'était dans les packs Halloween qu'on allait toucher le plus gros. Et je suis bête, j'avais même pas vu que pour Halloween il y avait un nombre de packs définis. Donc c'est dommage, mais c'est pas grave. Ok, de la merde. Tant que c'est pas hors rare, ça me convient plus. Je me suis trop habitué au luxe, donc il me faut du luxe pour une personne de luxe. Non, sérieusement, c'est vrai que... quand on passe de De Bruyne, Sergio Ramos, ils se vendent quand même tous à plus de 100 000, donc c'est vrai que ça fait un peu chier.
Et puis là, on entame notre dernier pack. Après, on finira avec un pack or. Et tout sera fini. On le passe celui-là, on le passe. Voyons voir. Ok, on a bien fait de le passer. Je pense que c'est ce qu'on a. C'est ce qu'il y avait à faire. On n'aurait pas pu faire mieux, de toute façon. Donc, c'est très très bien comme ça. Ça me convient. Il boule le ballon. Hop, allez, on vend tout. Et puis, sur ce, eh ben, on va ouvrir ce dernier pack. Je pense pas qu'on ait quelque chose dans un pack or, sérieux. Donc sur ce, bah si cette vidéo vous a plu, en tout cas on a eu de la chance au début, dommage pour la fin. On a quand même eu un joueur or. Puis c'était pas de la merde. Et du coup si ça vous a plu, eh ben n'hésitez pas à vous abonner. Je ne propose pas que du que du FIFA. Il y a aussi du Minecraft et plein d'autres choses. Donc voilà, et sur FIFA je pense commencer à faire les Squad Builder. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Tout dépend de l'heure que vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye tout le monde.